Salut à tous, on se retrouve sur Memoria pour la suite de Des Enfants du Nil. Alors dans le dernier épisode, donc on s'était fait attaquer par des... Je vais diminuer la vitesse. On s'était fait attaquer par... Donc par des bandits, apparemment ils sont venus voler des trucs. Et je pensais pas avoir ce genre d'attaque, donc je n'ai pas fait de commandant. Je n'ai pas fait de commandant sur la map. Donc là, je vais faire un commandant déjà. Et aussi des soldats. Pour essayer un petit peu de défendre la cité. Le temple ici, il est... Le temple est prêt. Le temple est prêt, il faut juste une statue. Donc fabrique des statues de basalte. Et normalement, donc quand ils vont fabriquer la statue... Elle va être amenée au temple, et là, le... Comment il s'appelle? Le tailleur de pierre, normalement il devrait sculpter donc la statuette. Ok, donc le commandant, j'essaie de voir un petit peu, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je le fais près de la ville, ou alors dans les champs ici. Je vais faire ça ici. Mais je délaisse un petit peu ce côté, et pourtant je vois pas ce que je pourrais faire ici. Je crois que dans le premier épisode, j'avais dit que j'avais fait une fois dans une de mes anciennes parties, il y a très très longtemps, une allée de temples. Donc j'avais fait le gros 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 temple, et j'avais fait des petits hôtels à côté avec des petits temples, mais ça n'a pas réglé le problème. Donc de demande, tout ça. Donc si je fais le camp d'entraînement juste à côté du palais du pharaon, ça craint un petit peu, on dirait une petite dictature. Enfin voilà, non je vais... Allez, on retourne ça. Non, bon, je sais le tourner que dans un sens. Hein, voilà. Ici c'est les fabricants de briques. Ici il y a un petit peu... Ah c'est pas grave. On va faire une maison de commandant. Donc, pour l'armée. Ah oui, non, il y a la garde de la cité aussi. Ben, garde de la cité, ça sera mieux. Garde de la cité. Je sais pas combien je vais avoir, de combien de commandants je vais avoir. Je vais faire donc des maisons de soldats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 6. J'aurais peut-être dû les faire ici. Non, c'est pas... Ou alors les coller au... à la maison du... Hop, non, j'utilise le... J'essaie d'utiliser des raccourcis, mais c'est pas... Je suis pas sur le bon jeu. Voilà. Donc là, je vais mettre les maisons des soldats ici. 1, 2, 3 et 6. Voilà, j'accélère un petit peu le jeu, en x2. Et on regarde ça. Alors, ça, c'était un domaine... Tout récent par rapport à cela, et là ce sont des grands domaines, ils ont plein de nourriture, ils ont tout ce qu'ils veulent, et ici c'est un domaine intermédiaire, donc ça va, ils montent de niveau. Là c'est un petit domaine, il y a un problème de sécurité. Ah, la maison a été volée par un pillard, et ils n'arrivent pas à prier aux Russes. Ouais, vous commencez à me saouler les riches, et même les pauvres en fait. Donc là il faut amener les briques, alors les maisons de soldats, ah il faut de la brique aussi. Alors ici, le pharaon est enterré, donc c'est sympa, c'est pas mal. Il faut penser donc au prochain pharaon. Mais le truc c'est que je vois pas son âge en fait. Trop peu de morgue, avait besoin d'une... Ah là là là. Ok, service funéraire insuffisant. Attends, je peux voir ce que tu trouves. Ok, il fait ses petites courses, il rentre à la maison. Alors, il faut pas oublier l'objectif, c'est-à-dire faire une petite pyramide, une très petite pyramide. Mais là, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils vont pas chercher le basalte ici. Mais habituellement, même dans le tuto, en fait, ce qu'on conseille, c'est de faire comment est-ce qu'on appelle ça? Le contremaître près du site. Donc de construction ou ce qu'on veut.
Là, je l'ai placé en plein milieu de la ville. Donc, forcément, voilà, il est un petit peu perdu. J'aurais dû le mettre plus près. Ça lui éviterait de prendre une barge et de passer de l'autre côté. Donc, arriver ici. Et puis, c'était où? Non, là, c'est le calcaire. Non, mais en fait, j'avais un petit peu peur pour les crocodiles que j'avais vus et puis les lions. Mais c'est pas grave. Je vais mettre. Là, je peux. Oh punaise, nombreux problèmes. Oh là là, on va cliquer là-dessus, on va regarder. Ah, toutes ces maisons ont des problèmes. Alors, qui est-ce que vous voulez prier? Anubis. Toi, tu veux prier qui? Anubis, Shemu. Alors, les gars, vous me prenez la tête. Alors, bon, on va mettre Anubis. Apparemment, il y a eu plein de morts, mais c'est normal. C'est normal. Où est-ce qu'il est Anubis? Il est là, Anubis. Allez prier. Mais il faudrait mettre plus d'hôtels en fait. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fournit des soins. L'hôpital est ici. Alors, toi, c'est une école. Lui, il fournit tous les soins. Voilà. Un truc simple, c'est aller ici et cliquer sur. Qu'est-ce qu'il est? Les prêtres. Voilà, comme ça, je vois les maisons de prêtres. Donc lui, il fournit tous les services. Lui, c'est les services funéraires. Et lui, c'est les hôtels, je crois. Mais punaise, il n'y a personne qui sert les dieux. Ah, ok, je comprends, je comprends, je comprends. Ok, mais je vois pas où est-ce que je peux mettre un. Je vais mettre un second hôtel ici. Où est-ce que c'est? C'est ici. Un hôtel. Il y a la place. On va les mettre face à face. Voilà, et je vais mettre une petite route. Ouais, non, ma ville, elle ressemble à rien. Franchement. Franchement. Ah, punaise, j'avais une case en plus. Ah non, je sais pas si j'avais une petite case encore. En tout cas, là, il y a des problèmes donc de culte et il n'y a pas de sécurité. La sécurité, ça arrive, les gars, ça arrive. Donc, la sécurité interne. Le commandant, il va s'occuper de ça. Je vais obtenir des informations sur. Alors, commandant. Là, moi, j'aimerais savoir en fait combien de soldats est-ce qu'il peut dont il peut s'occuper. C'est pas dit. Mais bon, je l'ai vite fait, mais. Deux gardes de la cité. Alors, mauvaise crue, et maintenant ils veulent prier Happy. Oh là là, les gars. Bah, je vais dédier ce temple à Happy, comme ça c'est fait. Je vais créer. Construire une maison de prêtre. Où est-ce que je la mets, la maison de prêtre? Ouais, moi j'ai plus d'idées, hein. Franchement, je mets les choses. Voilà. J'ai besoin d'un truc, je le pose, c'est tout. Il n'y a pas de réflexion derrière. Là, je peux encore poser deux maisons de scribes, on sait jamais. Là, il y a un hôtel. Là, j'ai mis. Non, c'est pas un hôtel, ça. Ben, je vais mettre la maison de. Ouais, mais c'est trop loin. C'est trop loin. Et là, en fait, j'ai deux cases. Je pourrais mettre un petit truc. Je vais mettre la maison de prêtre ici. Ou alors sur la même ligne. Ouais, sur la. Alors là, il y en a plein qui vont à l'hôpital. Hein. Franchement, ouais. La santé, c'est pas ça. Hein. J'en mets un ici. Ou. Bah, je vais. Punaise, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, c'est pas trop grave. Une petite route. On va faire une petite route ici. Voilà. Non, j'avais bien aimé la caméra comme ça. C'était vraiment. C'est bien plus immersif en fait. En plus, avec le son, ça devrait être génial. Alors, la maison de prêtre ici, on va lui dire donc de faire que les dieux, de servir les dieux. Alors, donc maintenant, normalement, on a des petits soldats. On a des petits soldats et normalement, voilà. Les commandants de garde travaillent ici. Ils luttent contre le crime. Poste de garde. Alors, on peut mettre des petits postes de garde à gauche, à droite. Je vais en mettre
un petit peu partout. Histoire que les riches ne se fassent pas voler. Comme ça, ils seront contents. Ah, mais je vais détruire. Oh, punaise. Je vais détruire les palmiers ici. Je vais mettre des tours de garde. Je crois que c'est deux personnes par tour de garde, mais je ne suis pas sûr. Regardons un peu. Construction. Il va falloir plein, plein de briques. Ok. Ok. Là, il y a des fermes. Ça plante, ça plante, ça plante. Je regarde vite fait les boulangers. Ok, 500. Ok, ils font quasiment. Ouais. Ok. Je crois que j'ai assez de boulangers. Regarde un peu les réserves. Ouh, il y a énormément de réserves. Ah, là, il y a beaucoup de réserves. Je suis content. Je suis content. Je suis très content. Je pense que je vais me lancer petit à petit dans le projet de la pyramide. Alors, je vais juste faire un peu plus de fabricants de briques. Je peux en mettre deux. Allez, je les mets comme ça. Ok. Alors, j'en mets quatre et je vais mettre des maçons. Les maçons sont un petit peu loin de tout là, ça me saoule. 1, 2 et 4. Ok. Donc pendant que je fais ça, je vais mettre donc des marchands de biens courants. Ici. Ça fait 4. Ça fait 5. Donc j'en mets 10 en fait. Ok, 10. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre. Donc fais des nattes. Panier. Panier. Toile de lin. Et puis vous quatre, vous allez être des poteries. Parce que il y a l'argile juste à côté. Voilà. Ouais, non, il me fallait deux petites maisons en plus. Ok, donc je vais continuer la route ici. Ok. Le boulanger est ici. Est-ce qu'ils sont trop loin? Est-ce que ceux-là ont des problèmes de nourriture? Non, ils ont juste un problème de culte. La fête de chez Mou. Oh là 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 là. En regardant un peu les riches qui sont ici. Ouais, Horus. Bastet. Donc pour la bonne santé des enfants. Eux, ils ont pas de problème de culte alors qu'ils sont éloignés de tout. C'est bien ça. Impossible de naviguer sur le bateau. Mais il n'y a même pas de bateau, mon petit. Eux, ils ont pas encore créé de bateau, je pense. Ouais, il n'y a aucun vaisseau de prêt, chantier naval. D'ailleurs, je les ai mal mis, franchement. Parce qu'à chaque fois, ils vont avoir. Ils vont avoir donc une montée des eaux. Centre d'échange, temple de culte. Ah, le temple de culte, je veux tellement le faire. Constructeur naval. Donc, le constru ouais, construit donc des. Mais le truc, c'est que. Je peux même pas. Enfin voilà, il faut de l'eau. Donc là, il est submergé. Et dès que je m'éloigne, ben, c'est pas possible en fait. C'est ça. Donc là, c'est une débarque. C'est. Ouais, débarcadère. C'est bien ça. Donc si je fais des échanges avec une ville qui a un cours d'eau, ben, ils vont pouvoir amener ça par ici. Donc ça, c'est génial. Alors. Le commandant. Ok, ici il y a. Ok, ouh, il faut 4 gardes. Ok. D'accord, donc il faut 4 gardes par tour. Ah oui, non, je vais avoir besoin de plein de soldats. Plein, plein de soldats. Regardons un petit peu. Ils avaient un problème de sécurité. Toi, t'as toujours un problème de sécurité. Adultère commis, pas de cour. Ah oui, punaise. Où est-ce que ça se trouve ça? Non, ça va être ici. Tribunal. Donc les membres de la famille royale donc résolvent les problèmes liés aux nobles. Où est-ce que je vais mettre cette petite bicoque? Ouais, c'est un petit peu loin de tout. Bah, je vais mettre ça ici, juste à côté de la boulangerie. Voilà. Comme ça, dès qu'ils ont fini de se faire persécuter. Une fois que le verdict a été rendu, ils vont aller se prendre un petit pain. Ça va leur faire plaisir. Alors, je vais faire ici, je vais mettre des marchands de luxe. Je vais les laisser choisir comme ils veulent.
C'est juste pour combler le trou, hein, franchement. Ok. Regardons un peu ici. Ah, les problèmes donc les problèmes spirituels se sont réglés. Sécurité adéquate. Donc là, c'est pas mal. Alors, regardons ici. Combien de fermes je peux faire? 66, je suis à 62. Alors, les gens célèbrent la grande fête en l'honneur d'Osiris. Punaise. J'ai envie de dire, bah, on va dédier ça à Osiris. Et la maison de temple, c'est pour que tu serves les dieux. Ok. Enfin, la maison de prêtre, plutôt. Alors, est-ce qu'il y a des... j'allais dire bicoques. Ouais, est-ce qu'il y a des tentes qui ne sont pas occupées? Tout m'a l'air d'être bien occupé. On a 18 soldats. Attends, attends, attends. Ah, ok. Donc, c'est 3 par caserne. Ok. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Regardons un peu la map du monde. Donc ici, combien de soldats est-ce qu'il faudrait? Ah oui, il faut 50 lanciers, 50 conducteurs de chars. Donc là, c'est pas pour la sécurité interne de la ville. Là, c'est vraiment, il nous faut un escadron pour aller attaquer. Alors, les Égyptiens vénèrent Math. Donc sinistres sont les jours où les hommes ne peuvent plus marcher sans crainte, hein, les gens réconfortent. Ok. Ben on va mettre ce temple pour Math. Ok. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Certains veulent prier. Certains veulent prier. Ok. Ah, punaise. Dédié à aucune déité. Non, mais c'est dédié à Happy, mon petit. Fabrique des statues de basalte. Tailleur de pierre, mais lui, mais il faut rien, il faut rien du tout. Ou alors, je sais pas si j'ai. Alors, ouh, le pharaon Nabudis 2 a 30 ans et il ne peut plus régner très longtemps. Oi, 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 tu vas bientôt mourir. Seuls les membres de la famille. Ok, je vais mettre pharaon. Ouais, non, c'est pas grave. Ça, c'est pour la famille royale, donc c'est pas grave. Punaise, il a 30 ans! Attends. Donc fabriquer des statues en basalte. Mais j'aimerais voir en fait où est-ce qu'elles sont ces statues. Je vais diminuer la vitesse. Et je vais regarder ici en fait dans les ressources. Ah, donc là j'ai 4 petites statues. Ok. Donc là ce que je vais faire c'est... construction des statues. Non, ça c'est ce qui était déjà. Non. Construction des statues. Donc supervise la construction des statues. J'espère qu'il va aller. Il faut augmenter la vitesse. Oui, non, il y a plein d'ordres différents. C'est pas juste. Ok, donc j'ai des statuettes en basalte. Ok. Alors toi, est-ce que tu vas faire quelque chose? Non, toujours rien. Superviser le site le plus proche. Fabriquer. Construction des pyramides. Je n'ai que très peu de prestige. 3 points en exploit. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme exploit, mais. Ça, c'est quoi ça? Des tombes. Ah, oui, non. Tombe de la famille, tombe de la famille. Il me faut énormément de briques. Énormément de briques. Ok, ils en fabriquent, ils en fabriquent. Et ici. Ils ont suffisamment... Ah, énormément de poterie, mais c'est normal. C'est parce que le truc est juste à côté. Ils vont pas chercher loin, donc ils en fabriquent des tonnes. Instance en cours. Ok. Le palais royal, j'aimerais bien le faire évoluer. On va faire des fresques. Ça demande 25 de briques. Qui n'ont pas encore été amenées. Alors, je veux me poser de ce côté-ci. Je veux me poser de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde un petit peu, je suis dos à la map. Je vais mettre des maisons de nobles. Donc, c'est eux qui vont. Ok, je regarde un petit peu. J'aimerais bien utiliser les tracés qui sont déjà là. Mais il n'y a plus de villageois. Les villageois sont partis de l'autre côté en fait.
Ok, ici qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc des fleurs pour les parfumeurs. Il y a des dattiers. Ah oui, ok, ça fait office de nourriture. Donc là, de l'acacia, donc des arbres. Ici, qu'est-ce que c'est? Juste du décor. Là, ça doit être donc du quartz. Là, il n'y a rien. Ok. Il faut placer la ville ici. Il faut placer la ville ici. Ah, encore un problème de culte. Mais non, mais il me casse la tête, hein, franchement. Regardons un peu. Non, c'était ici. Problème de culte, bah, je vais cliquer là. Ils veulent prier qui? Ra. Peu veulent prier, bah mettons Ra ici. Et là. Tatatam. Au hasard. Allez, basse-tête. Je sais pas à quoi il sert, mais. Mais au moins il sera content qu'on le prie. Alors ici donc il y a plein de petites plantes. Donc du lin, de l'acacia. Ah non, là c'est vraiment riche en ressources. Et juste à côté en plus. Là il n'y a rien. Ok. Je vais faire une route ici. Ah ouais, ok. Tum. Ouais, je vais faire une route là. C'est pas grave. J'ai besoin d'un point de départ. Ok, je vais mettre des maisons de nobles. Une, deux et trois maisons de nobles. Je vais faire une route juste devant chez eux. Voilà. Alors. Voilà. Ah non, avec moi c'est carré, hein. Franchement, il n'y a pas d'imagination. Alors, il va nous falloir très rapidement donc des marchands de biens courants. 3. Allez, on en met 8. Voilà. On trace une route. Finaise. Ah, les chiens et tout, quoi. Et je vais faire plein de marchands de luxe. Lusque. Je vais en faire sur toute cette longueur. Alors, bijoux, parfum, sandales. Oh punaise, moi je sais même plus. Alors toi c'est quoi? Ok. Sculpture, meubles, cosmétiques, meubles, parce que j'ai vu plein d'arbres. On va faire un parfum. Sculpture. Donc là, est-ce qu'ils ont tous... Ok, là, t'as pas de rôle. Allez, je te laisse choisir. Fais-toi plaisir. Grenadier, donc ça sert à nourrir le peuple. Ok, donc là, les maisons sont construites. Un nouveau noble est en route, c'est normal. Je suis sûr qu'un villageois va essayer de choper la place. Mais je peux pas lui en vouloir, hein. Tout le monde rêve d'être un noble dans le jeu. Alors, donc trois maisons de nobles, ça va être bien. On va booster donc les fermes. Je suis donc moyennement content d'ici. Pourquoi? Parce qu'il va me falloir un petit peu tout en fait. Un boulanger. Est-ce que je le mets là le boulanger? Ou alors je le mets au milieu ici? Ou alors je le mets là. Là, je vais faire une petite route, donc je vais mettre le boulanger ici. Je vais mettre le boulanger là. Je vais peut-être mettre un autre boulanger. Mais le truc, c'est que les tracés ici sont bien, mais... Alors, moi, ça me gêne. Attends, je sais pas si je... Non, je peux pas faire de carré. Voilà. Parce que j'ai envie d'utiliser ce qu'il y a dans le décor. Et donc... Ça me limite. Ok, donc là j'ai fait un boulanger. Donc là je vais tracer comme ça. Ici il y a des petites ressources. Voilà. Voilà.
Alors ici c'est de l'argile, hein. Je suis sûr que c'est de l'argile, c'est tellement rouge. Donc je vais mettre des fabricants de briques ici. Attends, je regarde juste, je vais zoomer pour regarder ce qu'ils font. Alors ouais, récupère de l'argile, c'est de l'argile. Ok. Regardons un petit peu la route que je peux faire. Non. Ok, je voulais la faire en fait diagonale. Non. C'est pas joli. Ouais, c'est déjà ça. Donc qu'est-ce que j'avais dit? Donc des fabricants de briques. On tourne la maison, on les met là. Hop. Voilà. Il va me falloir donc des maçons. Juste en dessous. Ok, c'est pas submergé. 3 maçons pour 3 fabricants de briques. Ouh, je suis à 128 briques. Ce que je vais faire, c'est. Je vais sur la carte du monde. C'était ici, hein, ouais, ok. Donc là, je leur fournis donc des briques et de la nourriture. Et à chaque fois, il va me falloir de la nourriture pour entretenir donc cette. Donc l'expédition va bientôt atteindre le site. Hein. Ok. Pour entretenir donc les relations et donc pour qu'ils nous fournissent à chaque fois ces ressources-là. Ok. Donc ici j'ai fait. Alors qu'est-ce que c'est? Ah. Alors on se retrouve. Le jeu vient juste de crasher. Donc j'ai perdu quelques minutes d'enregistrement. Heureusement qu'il y avait une autosave. Donc quand j'ai relancé l'autosave, en fait. Je vais diminuer la vitesse. Donc, ces constructions-là. Donc, j'avais mis la boulangerie. Donc, la boulangerie est finie. J'avais placé ici donc des maisons de, enfin des fabricants de briques. Je les avais mis. Et ça, ça a été perdu dans le fichier. J'ai récupéré la plupart, mais j'ai pas pu tout récupérer. Donc ici, ok, j'avais mis en fait une quatrième villa donc de nobles. Et donc là je peux avoir accès donc à pas mal de fermes. Je vais mettre ça. Et je vais mettre ça. Où est-ce que je vais faire ça? Ça c'est quoi comme plante hein? Ok, donc c'est de la nourriture au cas où. Ça doit être donc de l'aîné pour les parfumeurs et les esthéticiens. Le prêtre. Donc là c'est quoi? Ça c'est. Ah non, non. Ça c'est un apothicaire. Le prêtre est ici. L'hôtel est prêt. Alors. Ouais non, t'inquiète, t'inquiète. Je vais mettre donc fournir des soins. Oh non, le prestige limite l'occupation. Bon les gars, vous allez mourir. Vous allez mourir. Alors, pour augmenter le prestige. Pour augmenter le prestige, il y a le palais. Donc ici j'avais fait le grenier dans le. Dans la construction suivante, dans l'autre partie. Donc là c'est le grenier. Il y a un tout petit grenier, c'était celui-là, au début. Zone de stockage, et maintenant c'est un vrai grenier. Je sais pas si je peux cliquer dessus. Non, point de dépôt de cargaison. Ah, punaise, il faut pas mettre ça comment est-ce qu'on appelle ça? Près du palais. Donc, dépôt de cargaison, où est-ce que ça se trouve? Point de dépôt donc de cargaison. Ouais, mais ils l'ont mis automatiquement ici. J'aurais préféré peut-être le mettre par ici. Parce que je vais construire une pyramide ici. Donc je vais mettre des points. Attends, je vais en mettre. Là, je sais pas. Je suis très indécis. Alors, est-ce que je peux dire non de ne pas déposer ici? Mauvaise crue. La saison 1 est couronnée par 1. Les gars. Le temple il est dédié à Happy, hein, donc venez pas me prendre la tête. Hein. Donc ici, tout site. Je vais mettre mine de cuivre, comme ça rien n'est stocké. Et ici, tout site, voilà, comme ça ils vont faire ça tranquillement. Ok, donc en fait si je m'étais installé par ici, c'est pour avoir accès à ce calcaire pur même. Pour qu'on puisse donc construire nos pyramides tranquillement. Mais avant ça, il faut une ville assez viable en fait. Donc je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Alors ce que je vais faire. Je vais faire donc un contre-maître.
Je vais faire une maison de contremaître ici. Ou alors ici, plutôt là. Ok, je la tourne, je la mets ici. Et je vais mettre des ouvriers. Comme ça, il va récolter un petit peu les ressources qui sont aux alentours. Voilà. Ici. Ici. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je peux. Là, je peux. Allez, je vais mettre que des ouvriers ici. Voilà. Je sais pas. Ça, il faudrait peut-être que je regarde. Je sais pas si c'est. Si c'est dispo. Et là, j'enlève le petit bout ici. Voilà. Donc là, j'augmente un petit peu la vitesse. x2. Il faut que je regarde. Alors, toi, de quoi. Ah, il y a toujours pas. Ah, là, il peut. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui est en route. Bah, tant mieux. Donc, je peux avoir 12 nobles. Les fermes, j'en ai 51. C'est pas encore ça. Regardons un peu la boulangerie ici. La boulangerie. Ok. Je vais ajouter donc des fermes. Je vais mettre une route. Petite route. Là, je fais plus de chemin, je fais des routes. Donc là, c'est. Ouais, je vais mettre les fermes ici. Et je vais mettre des marchands de biens courants ici plutôt. 8. On zoom et on choisit leur métier. Poterie. Poterie. Toile de lin. Allez. Non. Panier. Alors qu'est-ce que c'est ? Votre réussite, votre prestige augmente. Blablabla. Bla, bla. Panier, ok. Ici, panier. Bah en fait, c'est les constructions du palais. Ça augmente le prestige. Alors. Bah, je clique sur le palais. Donc là, je peux faire une ménagerie. Donc ouais. Donc là, c'est une résidence luxueuse. Bah, c'est quand même mieux que la pauvre bicoque qu'on avait là au début. Donc là, des ouvriers, des voilà, voilà. Le prêtre. Oh là là, le prêtre. Alors, peste bunonique, ok. Donc là, il faut qu'il fournisse absolument des soins. L'hôpital est opérationnel de ce côté-ci, sauf que là, il n'y a pas d'hôpital. Enfin, ici, il n'y a pas d'apothicaire, en fait. Je sais pas si je peux faire un apothicaire le plus tôt possible. Ou même un hôpital, en fait. Hein. Pourquoi faire petit quand on peut faire gigantesque? Mais j'ai pas la place. Parce que gigantesque, c'est trop. Donc je vais faire un petit apothicaire ici dans le coin. Ouais. Ok, un apothicaire juste devant le temple. Voilà, comme ça. Il prie pour guérir en même temps. C'est cool, hein. Ici, c'est quoi, ça? Ah, il y avait déjà un apothicaire. Ok, fournis les soins, mon petit four. Non, pas éduqué, pas éduqué. Il y a assez de gens diplômés dans la ville. Alors, ici, grand domaine, petit domaine. Ok, ça me rappelle, il va me falloir donc un jardinier pour augmenter donc ici la taille des maisons des nobles. Alors, le jardinier, je vais le mettre ici. Regardons un peu. En fait, moi, je vois jamais les sens, enfin, le sens du... Ben, là, je pense que là, c'est l'entrée. Parce que bon, il va pas trop... Ouais, non. C'est pas grave. C'est pas grave. Le temps qu'il a du taf, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes? Il y a des problèmes de culte, ça a toujours été le cas. Regardons un peu. J'essaie de cliquer. Demande modérer les soins. Ouh, puis 932 servi l'année dernière. C'est cool. Alors, ici, la construction, elle est... ok. 74%, ça va encore. Est-ce qu'il y a un... Ok, il fournit des soins. Merci. Merci, parce qu'il y a bon. Voilà. Ici, ce sont des ouvriers. Ok, il faut un contremaître. Il faut absolument un contremaître. Les fermiers. Alors, la boulangerie se trouve ici. Elle est peut-être un petit peu loin. Je vais mettre une autre boulangerie ici. Là, je fais pas du tout gaffe à mes briques, hein. Franchement.
Voilà. Mais non, mais il faut plein, il en faut plein, il en faut plein. Je vais mettre plein. Hop. Là, je peux pas en mettre. Ok. Je vais fermer la route de l'autre côté. Toutoum. Voilà. Donc là. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre comme route? Tannée et verte? Ouais, pourquoi pas, ça fait plaisir. Ça décore un petit peu, c'est bien. Ah là là, ça décore rien. Mais... Enfin si, ça rend joli le truc, mais... Mais voilà, c'est pour des paysans et des fabricants de briques. Alors toi, t'es malade, c'est normal. Donc c'est peut-être trop loin. Ou alors il est débordé de travail, donc il n'a pas le temps de faire une grande distance. Comment je vais arranger ça? Je vais faire une maison de prêtre. Mais le truc, c'est que je suis limité par le prestige, je peux pas faire n'importe quoi. Je vais mettre une maison de prêtre ici. Un apothicaire. À côté de la boulangerie? Comme ça, ils prennent leur médoc en même temps qu'ils prennent un petit pain. Je vais mettre un apothicaire là. Et peut-être un petit hôtel. Non, c'est trop loin tout ça. C'est trop loin. C'est trop loin. Ouais, mais de toute façon, voilà. De toute façon, il faudra un prêtre, il faudra du prestige. Regardons un petit peu. Est-ce que les tombes sont occupées? C'était où? C'était ici les tombes. Ah oui, punaise, j'avais ajouté des tombes. J'avais ajouté des petits mastabas. J'en avais ajouté un en fait. Où est la porte? Ok, la porte est bien là. Ok, là je peux pas en mettre. Et j'avais fait un petit tracé. Donc ça c'est quelque chose qui a été perdu. Je pensais que c'était... Hop. Voilà. Je vais effacer un petit peu ce qu'il y a là. Parce que... Ok. Je sais pas comment ça a fait pour déborder. Je peux faire la même chose de manière symétrique. J'ai combien? Ok. J'ai pas mal de briques. La nourriture, elle diminue, hein. Regardons un peu nos greniers. Ouais. Ils ont taxé dans le... Dans le... Impôt collecté faible. Il faudrait peut-être un autre scribe, en fait. J'ai pas de papyrus. Mais j'avais fait un fabricant au tout début du jeu. Je l'avais mis par ici. Voilà, il est... Ah, il a pas de papyrus à vendre. Finalement. Ben, on va faire un fabricant de papyrus. Et je vais le mettre de l'autre côté. Non. Non, punaise, c'est dommage, hein. En plus, ici, c'est bien mis, quoi. Là aussi, ça serait parfait, mais non. Un fabricant de papyrus. Bah, le papyrus, c'est au bord de l'eau, hein, donc. Voilà, un fabricant de papyrus. À côté du temple. Ici. Ah, c'est dommage, pourquoi je peux pas construire là? Allez, un autre fabricant de papyrus ici. Donc, 729 nourritures par an. Donc, les impôts étaient faibles. Ah oui! On n'a pas beaucoup de blé, mais on a des tonnes et des tonnes de légumes et d'orge. Donc, 9 champs ont été évalués pendant la saison. Ah oui, non, il faut plus de scribes. Il faut plus de scribes. Et je ne peux pas en avoir vu que j'ai pas de prestige. Mais je vais quand même mettre les maisons de scribes. Les impôts, ça va être super important parce que les nobles, ils vont essayer de m'avoir. Et quand je dis moi, c'est le pharaon. Alors, donc là, ça va faire dans les 38 minutes. Ça va être long, ça va être long. Mais non, mais en fait, je vois pas le temps passer avec ce jeu. Il y a des effets un petit peu bizarres. Y a pas de vaisseau à vendre. Est-ce qu'il faut un commandant bien spécifique? Enfin, un commandant de la marine en fait. Donc ils ont besoin d'acacia. Donc chantier naval. Ok.
Ah, ils sont. Ok, ils sont constru... les chantiers sont construits pour résister aux crues. Ok, ça va, pas de problème. Mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas en fait. Alors toi, t'as des problèmes. C'est quoi ton problème? Donc, n'a pas pu participer à une fête. Donc, trop peu d'artistes. Vous me saoulez, saltimbanque. Alors, saltimbanque, est-ce qu'on les met en plein milieu? Ou alors ici? Alors, on va un peu les décaler. Je vais mettre des saltimbanques ici. Voilà. Impôt et impôt. Le prestige limite l'occupation, c'est normal, j'ai pas beaucoup de prestige. Alors, pour le prestige, mais le truc c'est que ça va me tuer. Je vais faire des... alors, 160 briques. Mastaba, je vais faire un petit mastaba. Ah, j'ai pas... Punaise, quoi, le... Faudrait pouvoir terraformer, moi je dis, hein, franchement. Aplatir le terrain, on lui marave sa gueule. Et... Tototum. Ok, donc déjà ces deux petits. Ces mastaba réguliers. Alors, il a pas de papyrus à vendre. Alors, toi, est-ce que tu as encore des papyrus à vendre? Peu. Ok. Je vais mettre un fabricant de papyrus par ici, parce qu'il y a plein de roseaux. Enfin, plein de papyrus plutôt. Enfin, roseaux de papyrus, si on veut être plus précis. Je pourrais en mettre un ici. Ok. Le boulanger, il ne fabrique pas de nourriture, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de fermiers. Donc... Je me demande si j'ai pas bouffé tous les villageois. Parce que là, il n'y a plus de villageois. Je me demande. Ouais. Si c'est le cas, je suis fichu parce que je peux pas faire plus que ce que je viens de faire. Ça veut dire qu'il faudrait donc que je limite un petit peu, parce que j'ai construit des choses, mais n'importe comment. Par exemple, ici, les trucs de luxe. Bon, je pourrais les renvoyer, hein, mais... Mais on va voir. Enfin, bon. Là, je voulais attendre de finir le palais pour finir l'épisode, mais... J'ai pas les briques. Donc là, je vais arrêter l'épisode. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé... Ouh, pas chargé, mon petit. Pas chargé. On revient. Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!